Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Bonjour, je suis Hélène Lafosse et je vais animer le stage Lecture à voix haute enregistrée. Je suis comédienne metteur en scène, formée au Conservatoire de Nantes et à l'Université de Nantes en tant que sciences du langage et linguiste. Alors le stage s'adresse à tout le monde ayant un désir, un souhait de pouvoir lire des histoires fictives ou plus réalistes ou d'actualité auprès d'un public à voix haute. Le stage va se dérouler pendant 2 jours, 4 demi-journées qui donneront lieu à 4 thématiques. La respiration, qui est l'élément de base pour pouvoir adresser un texte. La voix, avec quelques apports théoriques sur la voix, comment est-ce qu'elle fonctionne et où est-ce que se situe la voix de chacun des participants. L'intelligibilité du texte, c'est-à-dire la compréhension grâce à l'articulation par exemple, l'intonation, l'accentuation aussi. L'aspect technique évidemment, du fait que ça soit enregistré, donc ça a certains avantages puisqu'on peut, on peut le retravailler et puis voir quelles sont les contraintes pour que les gens puissent évaluer si c'est vraiment le format qui les intéresse. Essentiellement de la pratique hors micro, puis des enregistrements, de la réécoute collective. On essaiera d'avoir une sorte d'écoute analytique sur certains nombres de critères pour avoir une écoute un peu éclairée. Et puis quelques apports théoriques, notamment autour de la voix, pour bien comprendre comment la voix fonctionne et la respiration de la voix notamment. À l'issue du stage, chaque participant devrait avoir un certain nombre de critères en tête pour pouvoir retravailler en fonction de certaines notions qui auront été vues ensemble, donc la respiration, le silence, la hauteur de voix, la flexion, ces questions d'articulation, et voilà, avoir plus, peut-être un petit peu plus de sensibilité pour entendre un petit peu d'une oreille plus neutre, savoir si le texte, ils arrivent à faire passer le texte et le message du texte comme ils le souhaitent. Donc on est un petit peu sur la question de l'interprétation et cela en autonomie parce que voilà, normalement chaque notion aura été identifiée pendant le stage. J'espère que vous serez nombreux à rejoindre ce stage et n'hésitez pas à vous inscrire sur les liens de Pop Média. Merci.